Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une autre journée dans ma peau où j'essaye d'être productive, voilà, parce qu'aujourd'hui on est le samedi 21 mars et c'est le premier jour officiel où quasiment tout est fermé ici en Angleterre, voilà. Il a été annoncé hier que tous les restaurants, pubs, bars, centres de loisirs et salles de sport allaient fermer. Donc voilà, ça y est, et également si vous avez vu ma précédente vidéo, il a également été confirmé que mon école de langue ferme également, voilà. Donc on va avoir des cours en ligne à partir de la semaine prochaine, donc je pense du coup vous filmer peut-être des vidéos study with me, ça va être plutôt pratique de pouvoir travailler depuis la maison pour vous filmer ce genre de vidéos, voilà. Et donc aujourd'hui je voulais profiter du fait qu'il fasse beau, voilà, c'est vraiment chouette, il fait grand soleil et le ciel est bleu, ce qui est super chouette pour l'Angleterre tout simplement. Je voulais en profiter pour vous emmener avec moi durant ma journée, étant donné qu'il y a plein de petites choses que j'aimerais faire, parce que voilà, je suis arrivée en Angleterre il y a une semaine et il s'est passé tellement de choses que j'ai pas eu le temps encore de vraiment faire des choses pour moi ou les trucs très importants que je devais faire. Voilà, donc aujourd'hui mon programme ça va être de monter une vidéo, voilà, je vais faire la voix off d'une vidéo. Il faut aussi que j'appelle des proches, voilà, étant donné que hier c'était mon anniversaire mais que j'étais pas mal occupée à droite à gauche, j'ai encore des proches à appeler. Je vais aussi appeler Alison normalement aujourd'hui si j'arrive, mais normalement ça devrait être bon. Et il faut aussi que j'aille faire les courses, voilà, pour m'acheter de quoi me faire à manger le midi, étant donné que ma famille d'accueil me prévoit de la nourriture pour le petit déjeuner et pour le repas du soir, voilà. Donc je mange avec eux le soir et le matin j'ai plein de petites options à choix pour le petit déj, donc ça c'est vraiment chouette. Mais du coup pour le midi c'est à moi d'aller acheter ma propre nourriture, donc je pense que je vais aller au petit supermarché du coin, trouver 2-3 trucs, et comme il fait beau je voulais aussi en profiter pour sortir et aller un petit peu explorer les environs parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà, j'ai envie d'aller à la plage, il y a des falaises magnifiques ici, donc j'ai envie d'aller par là-bas parce qu'à chaque fois, chaque matin quand je vais à l'arrêt de bus, j'ai une vue vraiment trop belle. Mais je suis pas encore descendue en bas des falaises me balader et j'aimerais beaucoup faire ça. Donc voilà un petit peu le programme et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc le premier truc que je vais faire c'est ranger un peu mon bureau parce qu'il y a plein de papiers que je dois jeter et qui traînent. Et je vais aussi m'occuper de ranger les nouveaux habits que j'ai achetés, voilà. Avant que les magasins ne ferment, j'en ai profité pour aller m'acheter un pull, voilà, parce que j'ai été très optimiste sur la température et j'ai pris vraiment que 2 pulls qui sont vraiment très chauds. Et honnêtement il fait vraiment froid ici, il y a tout le temps du vent donc ça aide pas. Donc j'ai été acheter un pull en urgence, voilà, mais il faut que j'enlève les étiquettes etc. Et avec ça j'ai également acheté une paire de training, voilà, ou de pantalons d'intérieur comme vous voulez, parce que les miens ont un trou à l'intérieur, voilà, ils sont vraiment super vieux donc il m'en fallait une nouvelle paire absolument. Et comme je pouvais sentir que les magasins allaient fermer assez rapidement, je me suis dépêchée d'aller acheter ces 2 essentiels. Voilà. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Voilà l'état de mon bureau, donc en soi ça va, il n'y a pas tant de chenilles que ça, mais c'est juste là il y a plein d'enveloppes qu'il faut que je jette. Là il y a ma carte d'anniversaire que ma famille d'accueil m'a faite, voilà, parce que hier c'était mon anniversaire donc ils ont été trop choux et ils m'ont fait une carte et ils m'ont même préparé un gâteau, c'était trop bien, c'était vraiment trop chou, je vous mettrai des photos. Enfin bref, il y a aussi tous ces papiers qu'il faut que je trie, c'est des papiers de l'école et des papiers genre comment la vie se passe dans la famille, etc. Et en gros là, c'est des enveloppes vides qu'il faut que je jette, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Ils m'ont fait en fait que chaque matin, je devais ouvrir une nouvelle enveloppe et dedans il y avait un indice. Et du coup j'avais 7 enveloppes à ouvrir et je devais grâce aux indices trouver quel était mon cadeau. Donc voilà, et maintenant que j'ai trouvé, je vais juste jeter les enveloppes, ça sert à rien de les garder. Et voilà, donc je vais vite fait ranger ça, et après je pense que je vais faire la voix off de ma vidéo. If you don't wanna change,
Donc je vais commencer la voix off de ma vidéo et je vais pas vous mentir, le setup va être assez compliqué étant donné que je n'ai pas pu prendre mon micro que j'ai habituellement pour faire mes voix off. Du coup, le moyen du bord, ça va être d'enregistrer ma voix off avec mes écouteurs et mon téléphone, voilà. Parce que le micro de l'ordinateur tout seul est vraiment pas ouf, ça rend pas très très bien. Donc le seul moyen d'avoir une voix off plus ou moins potable, c'est avec le micro de mes écouteurs. Mais du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que j'enregistre sur mon téléphone et après il faut que j'envoie tous les fichiers à l'ordinateur, voilà. Et je dois un petit peu synchroniser les plans pendant que je parle, du coup pour dire les bonnes choses au bon moment, voilà. Donc c'est un petit peu plus galère que d'habitude, mais bon, on devrait y arriver. Mon écran d'ordi est peut-être sale, mais je sais pas pourquoi, il vient de s'éteindre alors que j'avais encore de la batterie. Ça m'arrive tout le temps avec mon Mac, je sais pas si vous aussi, mais c'est super énervant. Enfin bref, je vais aller le mettre à charger. Donc me revoilà, j'ai fini de faire la voix off de ma vidéo, mais comme vous avez pu le voir, mon ordi m'a lâché, voilà. Donc j'ai mis à charger sur le lit là-bas, il est actuellement 11h20. Et je pense que je vais attendre un tout petit peu que mon ordi recharge et je vais terminer de monter la vidéo, voilà, parce qu'il me reste l'introduction de la vidéo à faire. Pour ça je vais avoir besoin de ma tablette graphique, voilà, étant donné que j'ai commencé à faire des petites animations pour mes vidéos, voilà, j'aime beaucoup ça et du coup j'aime bien prendre le temps de faire de jolies petites introductions, surtout pour les vidéos bullet journal. Donc je vais faire ça et normalement après la vidéo devrait être terminée, voilà. Je vais juste la re-regarder une fois en entier pour être sûre et certaine que j'ai bien tout terminé. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je pense que vers midi, je devrais avoir terminé. Du coup, je vais sûrement aller m'acheter à manger d'ici là. Et sinon, le programme de cet après-midi, mon papa d'accueil m'a proposé d'aller marcher avec lui et de promener le chien. Voilà, d'aller me balader avec lui et le chien au bord de la mer, voilà, à la plage, etc. Donc j'ai accepté, voilà, ça va être super cool, je vais pouvoir vous prendre avec moi et vous filmer un petit peu les environs. Et du coup on devrait partir de la maison vers 14h je crois. Donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi. Et sur ce je file monter le reste de la vidéo. Ça y est, je viens enfin de terminer de monter la vidéo, il est midi 15, voilà, j'avais prédit juste. Donc là, je vais aller mettre ma veste et mes chaussures et je vais partir pour le supermarché et voir ce que je peux trouver pour me faire à manger pour ce midi. Donc voilà, je suis contente que ma vidéo soit terminée, il me reste plus qu'à faire la miniature et à l'exporter. Donc je pense que je ferai ça plus tard, donc voilà. Il est 1h, je viens de finir de manger et je pense que on va partir vers 2h pour aller se balader avec le chien, donc avec mon papa d'accueil. Donc j'ai vraiment trop hâte parce qu'il fait trop beau, donc c'est vraiment une super journée pour aller se balader au bord de la mer et prendre des photos surtout. Donc voilà, et en attendant donc de partir, je vais prendre un petit dessert, voilà, un petit chocolat, voilà, c'est
En fait, comme hier c'était mon anniversaire, les autres élèves en fait m'ont fait une surprise. Donc hier j'avais cours l'après-midi et en fait à la pause je suis sortie aller aux toilettes et quand je suis revenue ils avaient mis sur la table deux cupcakes avec des bougies qui du coup écrivaient 19 ans vu que j'ai eu 19 ans hier. Voilà, et il y avait aussi des petits Ferrero Rocher avec, donc vraiment trop mignon, je vous mettrai une photo. C'était trop chou franchement, ça m'a fait trop plaisir. Du coup je vais avoir un petit chocolat pour le dessert maintenant. Et ensuite je vais faire ma miniature de vidéo, comme ça ce sera fait. Et j'aurai plus qu'à exporter la vidéo sur YouTube et la mettre en planifié parce que cette vidéo là ne sortira pas avant avril comme cette vidéo que vous êtes en train de voir, voilà. C'est juste que comme je mets une vidéo par semaine et que j'ai quand même quelques vidéos d'avance, c'est normal qu'il y ait un grand délai, voilà, entre le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où je la poste. Il y a à peu près un mois qui s'écoule, donc voilà. Mais bon, si j'arrive à faire plus de vidéos, peut-être que j'augmenterai mon rythme à 2 vidéos par semaine. Mais bon, je veux pas que vous réjouissiez trop vite, voilà, parce que je pense pas que ça va arriver, voilà. Enfin bref, donc je vais faire ça et après je pense que je vous reprendrai juste avant de partir pour la balade et je vous filmerai quelques plans avec mon téléphone. Donc voilà, parce que j'aime pas trop prendre ma caméra quand je sors, voilà, et avec le vent et tout, c'est pas l'idéal. Donc voilà, je vous filmerai à l'iPhone quelques plans. Et c'est tout, donc c'est parti, je vais manger mon chocolat et m'attaquer à la miniature. Take me to places I've never been. You do things that make me a better man. And bus stops, they turn into hours spent rambling on. One look and you got the best of me. 4 feet take us where we wanna be. 3 words that would be the death of me. Chances are we'll end up in a bar tonight. Where drinks turn off the filter right. Put in place to hide things we both know. Me revoilà, donc je suis rentrée de la balade avec le chien et franchement c'était super cool, il faisait super beau, il faisait pas trop froid donc c'était vraiment bien. J'ai pris plein de photos et tout, enfin franchement c'est vraiment magnifique avec les falaises. Et on a aussi été se balader à la campagne dans un champ, genre c'est vraiment différent de la Suisse, c'est assez impressionnant, genre c'était un énorme champ où il n'y a que de l'herbe à perte de vue. Donc franchement c'était super cool. Et donc pendant que j'étais en balade, j'avais mis... Enfin, avant de partir du coup j'avais mis ma vidéo à exporter et du coup l'exportation est terminée, donc il faut juste que je fasse la barre d'infos et que j'ajoute les deux trois petits détails que je dois toujours ajouter en fait après avoir uploadé une vidéo. Donc voilà, je vais faire ça et après je pense que je vais me poser un petit peu, répondre à mes messages et aussi appeler mes proches, voilà. Donc je vais faire ça et après je sais pas du tout ce que je vais faire, donc on verra. Peut-être que je vais réviser un petit peu quand même. Voilà, je vais regarder ma to-do list, mais en tout cas c'est un petit peu tout pour le programme pour le moment. It's obvious there'll come a time I'll board a plane and leave behind the closest thing to home, away from home. My mind won't forget nights like these ones. I'm falling before I go again. I've tried to pretend time is on our side. Falling, I'm falling before I go again.
Donc je viens juste d'appeler Allison, voilà c'était super sympa, ça faisait un moment qu'on s'était pas appelé. Et là je vais appeler ma grand-mère, voilà, pendant que j'y suis, comme ça j'aurai appelé tous les gens que je devais appeler aujourd'hui. Et ensuite je pense que je vais faire 2-3 révisions quand même, enfin commencer un petit peu à réviser le vocabulaire etc. qui nous a été donné en cours. Aussi je vais importer tous les plans du vlog que j'ai filmé il y a 2 jours dans Final Cut Pro, voilà comme ça c'est fait et je pourrais commencer à monter ce vlog, mais je pense pas que je le montre, que je le montrerai aujourd'hui étant donné que j'ai déjà fait du montage tout ce matin. Donc voilà, je vais appeler ma grand-mère et je vous retrouve juste après. Talk late at night like we're Letterman. We're deeper right now than I've ever been. Overthinking this would be irrelevant. Chances are we'll end up in a bar tonight. With drinks turn off, the filter right. Put in place to hide things we both know. It's obvious there'll come a time. I'll board a plane to leave behind the closest thing to home. Donc je vous retrouve, il est bien plus tard, il est 5h30, voilà, j'ai fini de faire tout ce que je devais faire. Donc j'ai appelé ma grand-maman, j'ai également révisé un petit peu mon vocabulaire sur Quizlet, voilà, j'ai commencé. Et là je pense que je vais terminer ce vlog ici, étant donné que ce soir j'ai rien de vraiment intéressant de prévu. Voilà, je pense juste passer du temps avec ma famille d'accueil et peut-être également appeler mes parents, voilà, prendre de leurs nouvelles. Et du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de vous montrer une journée un petit peu productive où je fais pas mal de choses, donc j'espère que ça vous aura motivé à aussi faire des choses de votre côté. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye. Forget nights like these.